Précédemment dans Cellule Geek. Chiriline et Nicolas, on vient vous chercher les gars. Coupe-moi cette queue de rat. Mais je suis taquin avec Chiriline et Nicolas. Chiriline et Nicolas. Et maintenant la suite de votre programme favori. Mathieu, nous voulons te remercier. Car dans SLG, deux fois nous sommes passés. Wow, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je suis légèrement confus, honoré et excité en regardant les commentaires de la vidéo. Je crois qu'il y en a un qui résume bien la situation. À chaque fois que je regarde leur vidéo, je me demande s'ils sont sérieux ou si c'est juste des trolls. C'est quoi votre fournisseur, gros? Mes amis, on ne connaîtra peut-être jamais la vérité, mais c'est ici la vraie force de Chiriline et Nicolas. Mais encore merci pour cette réponse très fair-play. L'action se passe dans un hôtel et cet homme vient tout simplement de s'enfermer dehors. Alors oui, ça arrive même au meilleur, on oublie sa carte à l'intérieur et c'est parti pour une douce nuit sur la moquette du couloir. Quand on va à l'hôtel, c'est toujours là où est ma place. Alors je sais pas ce qu'il faisait dans cette chambre pour sortir avec un plateau repas, le lombric à l'air. Moi je sais, j'y étais. Peut-être que manger à poil démultiplie le plaisir gastronomique, mais le plus intéressant reste à venir. Après avoir frappé sa tête sur la porte en signe de désespoir catatonique, notre ami prend son plateau repas pour cacher ses parties. Oh non, ça devient de pire en pire. Il va ainsi traverser les couloirs de l'hôtel, prendre l'ascenseur, le tout pour descendre à la réception. Quelle journée de merde, mon bonhomme. Mais parfois, j'ai du mal à croire ce que je vois, comme cette scène surréaliste dans l'ascenseur. Ou encore la meilleure réaction du monde face à la nudité. Je me balade dans le couloir, oh putain, type à poil. Regardons par la fenêtre. J'ai presque envie de le serrer dans mes bras, gros. Tu ne voudrais pas sentir son téléphone portable contre ta cuisse? Mais il peut pas avoir de téléphone portable, il est nu, gros. Il va finir par comprendre. Je vous invite à aller voir la fin de cette vidéo qui ressemble presque à une caméra cachée. En effet, le mec de l'accueil lui demande son permis de conduire afin de vérifier l'identité de l'homme nu. Tout le monde sait qu'il faut ranger son permis de conduire dans son... Cette vidéo ayant été réalisée avec les caméras de surveillance de l'hôtel, voilà ce qu'on devrait dire aux jeunes pour booster le secteur de l'hôtellerie. Vous aurez des horaires pourris, doublés d'un salaire médiocre et parfois, vous devrez ramasser des pâtes à cul usagées sur le sol. Mais franchement, vous pourrez faire de belles vidéos sur YouTube. Do it like this, and then the brows are going on. Cette vidéo est pour les filles, mais personnellement, j'y connais rien du tout en truc de vagin. Alors si j'ai bien compris, elle utilise une espèce de sex toys pour se faire des frisottis dans les cheveux, mais je sais pas pourquoi elle s'arrache une mèche. Mais ses cheveux ont fondu à cause du produit, c'est pour ça que la vidéo a beaucoup de vues, idiot. Ah, moi qui pensais que c'était en lien avec son jeune âge et un ours que je ne nommerais pas. Mais rassurez-moi, les vidéos de maquillage, c'est bien pour ce... Non? Pour une fois, t'es dans le vrai, gamin. Rien de plus excitant que de voir le processus de métamorphose d'une muse. Passant d'une meuf moche à un truc baisable. Telle la chrysalide et le papillon. La Bona, c'est sa copine qui a joué sur l'autoroute. L'explosion de beauté grâce aux artifices de mère nature. Testé préalablement sur des truies et autres guenons. Au pire, c'est pas très grave, ma chérie. Rase-toi le côté de la tête, tu pourras faire du dubstep ou devenir lesbienne. Les cheveux repoussent, malheureusement, ta crédibilité, elle, est morte comme ce hamster à qui j'ai essayé d'apprendre à marcher sur le feu. Quelqu'un a vu mon hamster? Mais le fait qu'elle perde ses cheveux aussi vite qu'une personne sous chimie, oh, j'ai pas le droit de dire ça. Bref, ce n'est pas cette action qui donne les lettres de noblesse à la vidéo, c'est son visage déformé par la honte et la tristesse. What? Les One Direction sont dans une secte sataniste. What? Ton père se prostitue pour payer son crack. What? Tu te balades dans un hôtel et... What? La dernière fois que j'ai vu une fille faire cette tête, c'est quand? Elle a vu mon loup pour la première fois. La première vidéo était un homme qui oubliait ses clés dans sa chambre et voici un homme qui oublie les clés dans sa voiture. C'est quoi, c'est une semaine à thème? Pourquoi personne ne me prévient jamais? L'avantage au moins c'est que lui et ses potes sont habillés. Oh, dommage, j'aime les hommes matures. L'action se passe dans une forêt et vu la tenue de ces messieurs, ils doivent sûrement chasser ou cueillir des champignons. Mangez-moi. Alors ici mes amis, on apprend comment voler un break familial de la marque Volvo, alors prenez des notes. 19 coups de marteau, pas un de plus. Une bande de potes dans les bois à l'abri des regards, y'a qu'à moi que ça rappelle de bons souvenirs. Exactement, et maintenant laissons-nous porter par la magie de l'imagination. Tu t'appelles Bob, tu as 46 ans et tu décides de faire un road trip avec tes amis pour oublier le temps d'un week-end, vos soucis quotidiens et vos femmes. Tu passes de ville en ville, de bar en bar, vous êtes perpétuellement ivre. Ton ami John pense que c'est une bonne idée de kidnapper un enfant et de l'amener dans la forêt. Personne ne dit rien, ils ont sombré dans la drogue et la folie, tu es le seul lucide, il faut trouver une solution, ils vont le brûler vif, il faut cacher les clés de la voiture. Essayant de trouver tous les moyens possibles pour garder ce coffre fermé, tu filmes la situation pour
pour garder une trace de tout ça. What? Je sais pas pour vous, mais moi je pense que je devrais écrire des contes pour enfants. Salut les geeks. Toi qui as la science infuse, pourrais-tu me dire ce qu'il y a sous le bonnet des schtroumpfs? Vois-tu, les schtroumpfs sont un peuple complexe à la dynamique sociale insolite. Tout le monde sait qu'il n'y a qu'une seule femelle dans leur village, celle-ci étant fécondée durant les périodes propices. L'appareil génital d'un schtroumpf masculin se trouve en réalité sous son chapeau. Mais celui-ci est tellement fragile qu'un simple contact à l'air entraîne la mort du patient après le coït. Tout comme la mante religieuse, l'implacable schtroumpfette compte les cadavres de ses amants à ses pieds. Allez les geeks, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour, attention, les 2 ans de SLG. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste ici ou découvrez la vidéo bonus de la semaine en cliquant juste là. Sur ce, je vous laisse et n'oubliez pas vos clés.